Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation de nouveaux jeux Bicycle, les Bicycle Butterfly. Alors je vous mets les deux à côté parce qu'on a deux séries, un qui s'appelle, enfin on a une série de deux paquets, un qui s'appelle le Butterfly Violet et le Butterfly Purple. Alors on va mieux le voir dans ce sens-là, effectivement lui a tendance à tirer beaucoup plus sur le violet. Donc, il s'appelle le violet et lui le purple. Allez, donc c'est parti! Donc, au niveau de l'étui, donc on a un étui qui est juste imprimé classique, hein. Voilà, avec le dos. Donc on a deux papillons. Donc le dos ressemble effectivement donc, au dos de la carte, sauf que les marges sont blanches du jeu. Le côté qui est classique, hein, The United Playing Card. Voilà. L'autre côté. C'est marqué que ça a été designé en Europe et fabriqué pardon, aux USA. Alors désolé, j'ai encore un petit peu l'extinction de voix. Donc désolé si je m'exprime pas trop bien. L'arrière de l'étui. Et voilà. Alors, à l'intérieur, on retrouve notre jeu de cartes. Et il est composé donc de ces 52 cartes, 54 pardon, on va commencer à étaler le dos. Donc en étalant le dos, on voit ça. Voilà. Et la face. Hop. On va le faire dans ce sens-là pour que les index soient dans le bon sens. Au niveau du haut, on voit ça. Donc on a quand même une différence entre les piques, donc les cartes noires et les cartes rouges. Donc les piques et les traits sont légèrement alors violets puis bleutés, alors que les cœurs et les carreaux, comme vous pouvez le voir, sont violets et roses clairs, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu? Donc on a une carte double dos. Donc ça commence à devenir une habitude, hein, dans ces jeux-là d'avoir une carte double dos. Là, j'ai plus rien. On a une carte double face, donc intéressant, une double face qui n'existe pas. Enfin, j'avais pas encore vu. Valet de pique, pardon, as de cœur. Décidément. Voilà. Bien évidemment, les deux jokers, donc qui sont identiques au niveau plus ou moins, enfin, dessin, mais légèrement différents au niveau couleur. Un qui est violet, un qui est un petit peu plus rose. Et bien sûr, le restant des cartes. Allez, donc c'est parti pour le défilement des cartes, donc les as sur les côtés. Et on est parti avec la série à pic. On voit des papillons. Donc on voit des papillons, bien évidemment. Donc avec un léger dessin, un léger contour là, une marge grisâtre, donc qui délimite un petit peu le pourtour de la carte. Alors j'ai regardé, c'est un jeu, j'ai pas trouvé d'asymétrie sur le jeu au niveau de celui-ci. Alors après j'ai regardé vite fait, bien évidemment, mais donc je considère que ce jeu n'est pas asymétrique de base. D'accord? Allez, on continue. Donc là, les cartes à points, les cartes à figure, pardon, le valet, la dame. Et le roi, donc là par contre on a une belle symbolique au niveau des, si on regarde bien, au niveau des figures, on a vraiment, parfois on n'arrive pas à savoir qui est le valet et le roi. Et la dame, là bon, on remarque bien quand même le valet et la dame, puisqu'il est très bien dessiné, on voit bien que c'est une dame, et le roi avec sa couronne. Donc là il n'y a pas de souci, on voit bien. Ensuite, on attaque la série à carreaux, alors c'est exactement la même chose, hein, sauf que ben, forcément c'est juste le symbole qui change. Les petits papillons là qui volent sont placés exactement au même endroit sur les autres cartes. Donc les figures sont différentes. Mais on les remarque bien dans chaque symbole. L'as, et on finit par la série à chaque fois des cœurs, comme son habitude.
Tiens, le 7 est mis... Tiens. Ah oui, c'est pareil pour les autres. J'ai même pas remarqué. C'est bizarre, là. Face à face. Ouais, ça fait bizarre, la disposition. Ça, c'est bizarre. C'est une autre façon de voir les choses. On n'a pas l'habitude. Et voilà. Donc ça, c'est les 4 as. Donc 4 as avec des symboles un petit peu plus gros au milieu. Ils sont jolis. Les as sont sympathiques. Ils sont tous identiques. Hein. Même l'as de pique a pas de dessin de grosse différence. Du coup, maintenant qu'il y a moins de cartes, je vais le réétaler pour voir ce que ça donne. On voit tous les petits index d'une seule traite. Et je vais m'arrêter un petit peu plus sur les dos parce que je ne l'ai pas montré. Enfin, je les ai montrés, mais rapidement. Donc, on voit ça. Alors, oui, quand je disais que la carte n'était pas symétrique, c'est vrai qu'on pourrait croire, effectivement, en regardant ici les ailes, qu'on a donc du bleu ici et du rose ici, que si on met une carte à l'envers, ça va être l'inverse. Mais pas du tout, hein, puisqu'en fait, même de l'autre côté, le bleu est ici et le truc est ici. Donc ne vous laissez pas avoir, hein, puisqu'ils ont inversé les choses. Donc voilà. On pourrait croire que ça va l'être, mais pas du tout. Voilà, donc ça c'était une petite présentation du jeu Bicycle Butterfly. Je rappelle, c'est le violet.